Au nom de Madame Amina, je salue la contribution de l'école Joudor Marifa. Par la même occasion, je tiens à remercier la présence et la contribution de l'Institut Salam de l'Arrache. Et par la même occasion, je tiens à remercier la contribution et saluer la contribution de l'Institut Rifa'i d'Aqsa al-Kbir, des écoles An-Nukhba de l'Arrache, de l'école Nafourat al-Araish, de l'école Ishraqat al-Araish et bien évidemment notre sponsor permanent pour la deuxième fois consécutive, le conseil municipal au nom de M. le Président Abdelmoumen Sbehi et les vice-présidents M. Mohamed Mtsougi et le membre Mohamed Hilal qu'on tient vivement à remercier. Je vous souhaite la bienvenue une deuxième fois. Les prestations auxquelles vous allez assister aujourd'hui sont le fruit d'un travail très bien remercié et vivement salué de la part des professeurs encadrants, que ce soit dans les écoles privées ou publiques de l'Arrache et Aqsa al-Kbir, et de la part aussi des efforts fournis et déployés de la part de nos élèves, filles et garçons, pour rendre hommage à ces deux genres littéraires, le conte et la fable, pour la deuxième fois. Donc c'était un plaisir de veiller à la préparation et la bonne tenue de cette deuxième édition. On vous souhaite la bienvenue. Je tiens à remercier, pour ne pas omettre, la contribution et l'accueil de M. Hakim Fdaoui pour le lycée Moulay Mohamed Ibn Abdallah, la présence des parents et des tuteurs de tous les élèves participants et participantes, la présence parmi nous de M. Mohamed Kandil, inspecteur pédagogique de français à la direction provinciale de l'Arrache. On le souhaite la bienvenue parmi nous. On souhaite aussi la bienvenue et les remerciements pour tous les directeurs des établissements scolaires ici présents avec nous. Je tiens à saluer et remercier vivement les professeurs participants comme membres du jury, M. Mohamed Hakim, Mme Atiqa Sibti, Mme Khadija Taqi, Mme Bikani et M. Karim Ziani. Je vous souhaite une bonne après-midi.